Oui, alors bon, je me nomme Boumadi Fabrice, je suis né à Rennes, je suis enseignant en lettres-histoire à Paris dans le 19e. Je suis aussi un auteur qui a publié trois ouvrages, dont le dernier est sorti au mois de juin 2020. D'ailleurs, je vous le présente. C'est Derrière la balle. C'est un recueil de nouvelles sur un jeune qui se forme au contact du football et de ses amis entre 1986 et 1990. Voilà. Et j'apprécie aussi de participer à des concours de nouvelles. Voilà, donc j'écris assez régulièrement. Alors, au début, j'ai hésité entre deux thèmes. Et finalement, je me suis orienté sur ce que j'ai pu vivre en Argentine. J'y ai vécu un an et j'y avais séjourné l'année précédant le concours. Et je suis un amateur de football et je me souvenais de certaines après-midi au stade avec l'alcool aidant, quelques souvenirs assez rocambolesques. Donc, je me suis dit, je vais prendre cet angle pour rédiger la nouvelle. À la fois l'ivresse avec l'alcool et l'ivresse du football et l'ivresse de la joie. Je vais dire d'abord pour moi, hein, parce que quand on écrit, c'est toujours un acte personnel. Ensuite, pour les lecteurs, éventuellement, hein, s'ils acceptent de me lire. Hein. Ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est les expériences personnelles qui se transforment ensuite en fiction. C'est ce que j'ai fait notamment à travers cette nouvelle Ascension directe au paradis, qui n'est pas de l'autofiction, mais qui s'inspire grandement de mon expérience.